pour Lupin, ils sont très prévisibles quand lui ne l'est pas du tout. Tu bouges pas ! L'homme le plus recherché de France ce soir. Faut se préparer, voilà, ça va être un démarrage. Il y a toujours beaucoup d'action, il y a toujours le jeu de chat et de la souris, mais il y a un gros twist. Cet homme, vous le connaissez ? Il s'appelle Hassan Diop. Part 2 focuses much more on the direct ideas of revenge that Hassan has towards Pellegrini. Pellegrini, c'est tout simplement un homme de pouvoir, un homme qui a tous les pouvoirs. Il est riche, il a un énorme réseau et il est capable de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe ? J'en peux plus. Il arrête pas d'aboyer à chaque fois que quelqu'un dit Pellegrini. Il recommence. On a envie de savoir ce qui se passe d'Hassan, de Benjamin, j'espère, de Claire, de Raoul. J'ai beaucoup aimé l'évolution de tous les personnages où ils prennent tous des routes très différentes et ils s'imposent aussi beaucoup plus dans la partie 2. Vous l'avez retrouvé ou pas ? Tu me dis d'abord où est mon collègue ? Le côté parisien de la série, il était important pour nous. Donc on voulait montrer le Paris, mais tel quel. C'est-à-dire que aussi bien les monuments, mais aussi la banlieue, le métro, le bus. On est même allé dans les catacombes. Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit les vrais. C'est-à-dire que, par exemple, ils arrivent à s'échapper d'une échelle. Ils sont montés dans la vraie échelle qui fait vraiment 30 mètres de haut et qui sort vraiment en plein milieu de Paris. Tout est vrai, quoi. Action ! Moi, je l'ai plus sorti avec une caméra plus à l'épaule parce que c'était plus énergique. La série, c'est tout ce qui est sur la paternité, l'héritage, le fait d'être père, d'être fils, en fait, tout ce questionnement-là. C'est l'histoire d'un fils qui veut juste venger son père. On espère que la partie 2 va effectivement plaire autant que la partie 1. Voilà. Suspense, action, émotion. Alors de l'action, quoi. Ça bouge.